Et youp tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, j'allais pas dire mensuelle, mais pas loin, de mes petits achats sur VOGGT, l'application, hein, j'en parle régulièrement, donc vous savez. J'ai quelques colis qui vont arriver tout au long de la semaine. On est actuellement le mardi. Non, je devrais en avoir un peut-être demain avec de la chance, sinon jeudi. J'aurai peut-être un vendredi et samedi. J'attends quelques colis, donc voilà, j'ai fait quelques petites folies, encore une fois, voilà, clairement. Donc j'en ai reçu un aujourd'hui, qui vient de chez Fenril, donc je mettrai, comme d'habitude, le nom du vendeur au-dessus. Je sais plus trop ce qu'il y avait, alors je sais qu'il y a plusieurs éditions différentes, mais en détail, je me souviens plus, parce que ça fait un petit moment qu'il m'a ouvert ça. Ok, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il y a du Dominaria Uni, mais je vais vous montrer vite fait. Je crois de mémoire, j'ai pas grand chose. Je crois que j'ai rien qui rentre dans la collection parce que, malgré tout, le petit terrain foil, très sympa. Il me manque quelques-uns que je cherche, donc peut-être que celui-là en fait partie, je sais plus trop. Voilà. Alors, je sais plus, hein, comme je vous dis, ça fait un petit moment. Mais je crois de mémoire que, ouais, comme je dis, il n'y a pas grand chose qui va rentrer dans la collection. J'ai pas eu de chance. Clairement, j'ai pas eu de chance. Par contre, ça, c'est cool. Carte de Jesper et Jing. Je sais pas s'il me l'a manqué là. Il faudrait que je vérifie. Hop. Comme je dis, ce sont les petites, comme d'habitude. Hein. Ils remettent les communes et les uncos dans les boosters. Hop. Ok. Voilà, il m'a pris donc, comme je vous dis, du Dominaria. J'ai pris aussi. Pas encore, hein. Du Lord of the Rings. Du Lord of the Rings. Ah non, il y en avait 4. Alors attendez. Hop. On va revenir après sur Lord of the Rings. Il y en avait un quatrième. Je ne me souviens plus. Bah oui, forcément, c'est un bundle. Donc il y a 8 boosters. Donc forcément, il y a 4 boosters chacun. Mais comme je vous dis, voilà, il n'y avait rien d'incroyable. Je vous montrerai, comme je vous dis, les petites rares, les petites mythiques. S'il y en a, je ne me souviens plus. À la fin. Donc, booster Lord of the Rings, comme d'habitude, hein. Vous savez mon amour pour Lord of the Rings. Donc voilà, il m'a ouvert les reprints, hein. Enfin reprint, ce qui a été le deuxième set de Lord of the Rings. Hop, petite Lorraine Reveal, ça c'est très très cool. Très très cool. Des meilleures cartes. Hop. Il m'a ouvert, voilà, ça, il m'avait ouvert le Second Harvest. Token Smoke, c'est cool. Mais voilà, je crois sur Lord of the Rings, c'était pas trop mal, de mémoire. Je ne me souviens plus trop exactement, mais c'était pas trop mal. Le deuxième de Lord of the Rings. Hop. Guinea. Je vous dis, ça fait un petit moment hein, qu'il m'a ouvert ça, donc je me souviens plus trop. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que... Ah oui. Oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens des cartes qu'il m'a ouvert, ça y est. Hop. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre très incroyable. Il y avait aussi, alors est-ce qu'il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Presse the Enemy en search foil, full art search foil. Le petit Banquet, je crois que c'est pas mal, Banquet Guest en silver foil. Alors il fait pas très beau, je suis désolé, hein, la luminosité est pas folle. C'est pas la... mois de novembre. Hein. Et ça c'est cool. Alors c'est la version normale, c'est pas la version Surge. Ça c'est une très bonne carte. Et ça je l'ai dans les fresques. Donc ça va partir à la vente. C'est très cool, ça va rembourser une partie des achats du jour. Parce que j'ai fait quelques petites folies dernièrement. Donc clairement voilà, ça permettra de rembourser un petit peu toutes mes achats. Et puis il m'a aussi ouvert du Eldraine. Si pourquoi pas, avec un peu de chance, il peut me sortir une petite dinguerie. Est-ce qu'elle va être là? Déjà, oui. La petite grande ramancie, ça c'est cool. Je crois que je l'ai, il me la manque en version alternative japonaise, celle-là. Il m'a ouvert aussi l'empoisonneuse à bonbons, il y a plusieurs cartes dedans, avec la petite Hilda, en version extended foil, sympa. Hop, et là-dedans, il y avait le lièvre. Que malheureusement j'ai déjà, par contre est-ce que je l'avais en foil? J'avais un doute, j'ai un doute. Et ça c'est très cool pour ma collection de Aldo Dominguez, il m'a sorti le démarrage tonitrueur en version extended, je la cherchais cette carte en version extended, donc ça c'est très cool par contre. Voilà, pour les petites cartes. Et je vais vous montrer. Alors, là, il y a plusieurs rares. Là, il y a plusieurs rares. Il y avait un petit paquet. Les vases de la griffe de Dominaria. Des matates Dominaria. Petite caverne de Koilos aussi, de Dominaria. Bedlam de Cards of List de Épopée d'Urza, c'est cool. Je l'avais pas, je crois, de mémoire. Et le petit déphasage de Zalfier, ça c'est les petites rares qu'il y avait dans les boosters Dominaria. Voilà, il y en a 4, plus la carte de liste. Ok, et pour finir... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette carte. Ça c'est très cool. Très très cool. Hop. Il me reste deux cartes à vous montrer qui étaient sous top loader. Tout d'abord, une très grosse carte sortie de Lord of the Rings. Force Orlingas. Alors, je l'ai en version... Extended, je crois, en japonais. Je l'ai en version normale, enfin en français. Est-ce que je l'ai en français, cette carte? Je crois, oui, de mémoire. Et il me l'a aussi ressorti. Alors, elle n'est pas... Non, elle n'est pas foil, mais version Lord of the Rings, donc deuxième set. Donc, c'est cool. Clairement, c'est cool. Je dois voir plus ou moins toutes les versions de cette carte. Donc, ça, c'est bien. Et enfin, une nouvelle... Et ça, je suis très content. Anduril, la flamme of the West, version poster, elle est magnifique. Alors, elle n'est pas foil, encore une fois. J'ai pas de chance, hein. J'en sors rarement en foil. J'en ai quelques-unes, mais j'en ai une ou deux en foil. Sur les 5 ou 6 alternatives que j'ai, j'en ai une ou deux, ouais, je crois, de mémoire. Mais c'est cool, déjà, c'est cool. Une de moins à chercher. Et ça, c'est bien. Et puis, dernière petite chose que je vais vous montrer, comme j'ai perdu la bataille, la battle sur Dominaria, il m'a offert un petit truc, et je m'y attendais pas du tout, clairement, et ça tombe bien parce que j'ai regardé un petit peu ce genre de choses. Il s'agit d'un compteur de points de vie, dinosaure, donc on est dans le thème des Ixalan, il suffit de tourner en bas pour les points de vie, donc ça c'est cool. J'en cherchais un, je réfléchissais à en prendre un, donc ça tombe bien, clairement ça tombe bien. J'ai choisi dinosaure et il est cool, hein. Franchement il est cool. Alors il est neuf, hein, comme vous voyez, la petite petit plastique encore qui protège, donc c'est bien. Franchement j'en cherchais un, donc toujours est-il que je regardais ce genre de choses. Donc c'est cool, franchement c'est très très cool. Je suis ravi de ce petit compteur de points de vie. Voilà, merci à lui, merci à toi mon petit Fenril. Si jamais tu passes par là, je vais regarder après la vidéo ce que j'ai pas. Et puis voilà. On est bon pour la première vidéo, le premier colis reçu aujourd'hui, ce mardi. Donc normalement, comme je vous dis, je dois recevoir, j'ai très hâte de celui de Zoé Zoskud. Sur VOGGT, parce qu'elle m'a sorti des petites dingueries, donc j'ai très très hâte. Et puis aussi il y a Goupia qui m'a envoyé un petit colis aussi, j'ai pris des choses chez lui, donc pareil j'ai très hâte, parce que encore une fois, voilà, vous vous souvenez, hein, quand j'ai dit que j'ouvrais 2 boosters, voilà. Bon allez, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas vous me direz avec un petit pouce bleu. Moi, je vous laisse avec mon mois du futur des prochains jours qui arrivent. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Et hop, on est parti pour le deuxième colis. On est aujourd'hui le vendredi de la même semaine que la première vidéo. J'ai reçu ce colis assez épais quand même. Je sais plus, il y a plusieurs éditions encore une fois dedans. Je crois qu'il y a du Ixalan. Ce colis vient de chez Zoé Zoskud. Je mettrai son pseudo en haut, hein, comme d'habitude. Première fois que je prenais chez elle. Bonne surprise parce que c'était vraiment un super live. Franchement, un grand plaisir à suivre. Super agréable, super gentil. Un live vraiment qui s'est super bien passé. Alors moi, est-ce que j'ai sorti des choses? Je sais plus parce que ça fait bien une semaine, un peu plus d'une semaine, je dirais. Donc je sais plus du tout clairement ce que j'ai eu en détail, hein, je parle de choses, de cartes que j'ai eues, hein, les drops, je me souviens plus, clairement je me souviens plus du tout. Je crois aussi peut-être une carte, si je dis pas de bêtises, vous voyez, dans du Eldraine. Donc il y avait du Eldraine, il y avait du... j'ai pris du Ixalan. Du Ixalan. J'ai pris beaucoup d'Ixalan. Ah, je me souviens même plus. J'ai pris peut-être plusieurs lots de 3 ou un lot de 6, je sais plus. Attendez, de toute façon, je vais tout sortir et puis on va voir. J'ai pris autant. Ah bon. Clairement, je sais plus du tout. Donc ça, c'est du slivé. Il y a un top loader. Ok. Bon, écoutez, on va voir. Comme je vous dis, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus du tout souvenir de ce qu'il y avait, ce que j'avais sorti, parce qu'elle m'avait sorti, plutôt. Hop. Alors, on va voir. En Eldraine. Ok, la ligne... Ah oui, c'est vrai. Ligne lay d'éclair. La petite ligne lay rouge. Elle m'a sorti une petite maisonnette tourmentée en foil. Ok. Conquête des chevaliers lich. J'ai l'impression que c'est toutes les rares ici. Ok. Ça, c'est les communalisations foil du booster collector. Ok. La petite forêt foil. Prise du destin. Ok. Donc ça, c'est booster Eldraine. Hop. Et en Ixalan, alors je me souviens plus du tout que j'ai pris autant de boosters. Combien il y en a? Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai pris deux lots de 6 peut-être? Je sais plus du tout. Clairement, j'ai plus du tout souvenir de ça. Donc il y a une carte d'illustration, une petite carte foil, It's Skin. Donc là c'est, je pense, les communes et les Unco des boosters. Ouais. Ok, donc ouais, comme je vous dis, c'était un grand plaisir, Zoé. Si jamais tu passes par là, c'était un grand plaisir. Je pense que je repasserai de temps en temps sur tes lives. Une petite carte The List. Ok, donc Ixalan, vous allez en avoir prochainement. Donc voilà, il y aura une deuxième display dans les prochains jours, normalement. Je pense d'ici une semaine. Peut-être pas le samedi, peut-être le mercredi, je sais plus. Je sais pas trop comment je vais me goupiller. Mais ouais, ça va être deuxième display très prochainement. Et je vous en parlerai quand on y sera. Ok, ouais, c'est les communes et les Onco, donc je passe assez vite. Surtout qu'en plus, j'ai toutes les communes et les Onco. Donc... non, il manque une Unco, pardon. Il manque une Unco, je vous montrerai si jamais elle est là. C'est une noire. Hop. Pas dans celui-là. J'ai pris autant de boosters, je ne me souviens plus du tout. Clairement, j'ai plus du tout souvenir de ce qu'elle m'a sorti. Si, peut-être une carte qui doit être sous top loader à mon avis. Je sais pas si c'est chez elle que je l'ai sortie. Hop. Une autre carte de liste. Ok. Un petit peu froid. Ok. Allez, il reste 4 avant de passer aux cartes qui étaient slivées. Hop là, la face barrée. Donc, ouais, franchement, j'ai très hâte de recevoir cette deuxième display en espérant sortir des belles choses. Si on pouvait avancer un petit peu, surtout les alternatives, ce serait bien. Vraiment. Sortir des belles choses. Et puis, surtout, sortir les grosses cartes, les dieux. Il y a le rondin bleu, je sais plus comment il s'appelle, qui est une très bonne carte. Le petit artefact aussi, Chimil, je crois que c'est le nom. Que je cherche d'ailleurs en double ce Chimil parce que c'est une carte illustrée par je sais plus mais que je collectionne. Ah voilà, c'était celle-là qui me manquait, dernière Unco qui me manquait, donc c'est cool. Hop, voilà pour les communes et les Unco de Ixalan. Et puis hop, on va voir là-dedans. Comme je vous dis, j'ai plus du tout souvenir de ce qu'elle m'a sorti. Alors attendez, hop. Donc, on va repartir vite fait sur Eldraine. Mais je me souviens plus qu'elle était foil par contre. Elle m'a sorti une lune de sang foil. Et ça, c'est cool parce que je l'avais dans cette version, mais je l'avais pas en foil. Donc c'est bien, c'est cool. Je pensais que ça serait une double, finalement non. Parce que bah, c'est gelé comme je vous le dis. Mais je l'avais pas en foil. Donc c'est là je vais la garder. Je pensais qu'elle allait partir à la vente échange, mais finalement non. Donc c'est bien. Hop. C'est cool. Et puis les rares et les mythiques de... Ixalan, donc ça je vais la garder pour la fin. Alors, du coup, combien elle était en déj de sleeve, parce qu'elle n'avait pas pensé qu'il y aurait autant de ventes, donc elle a mis derrière. Donc, petit cadavre déségaré que je n'avais pas encore sorti, suivi de l'œil d'Ojartak en carte commandeur. C'est cool, une petite mythique. Je redécouvre, c'est bien, hein, je redécouvre les cartes. Le belligérant avec... Ah oui, c'est vrai. Bon, je vous la montre maintenant. Sans vous l'avez vu. La vie trouve toujours un chemin que j'ai déjà. Donc ça va partir à l'échange. La carte Jurassic Park. La citadelle engloutie. Carte que j'avais sortie avec la petite alternative de Saïli. Donc c'est cool. Âme déségarée avec Mère Fermarée de Tishana. Très bonne carte. C'est celle-là que je parlais. La onde d'un bleu. Donc bah, finalement je l'ai. Comme je vous dis, c'est cool, hein. J'avais tellement longtemps que j'ai pris des choses chez elle que bah, je me souviens plus du tout en détail des cartes qu'elle m'avait sorties. Donc c'est cool, je me souviens plus du tout qu'elle m'avait sorti cette carte. Donc c'est cool parce que bah, c'est une très bonne carte et une des meilleures rares. Donc c'est bien, je sais pas si c'est pas la meilleure bleue en rare. Je sais plus, en tout cas toujours dit que je suis ravi, ça c'est cool. Ensuite, un petit Manland que malheureusement j'ai déjà. Est-ce qu'il y a deux cartes ou pas? Oui, il y a deux cartes. Avec Mazalantli. C'est pas cet artefact que je parlais. Qui est, je sais plus comment il s'appelle l'autre que je parlais. La fonderie de fabrication avec l'hôtel des misérables de carte commandeur. Est-ce que c'est pas le dos? Non, c'est le devant. Ok. Hop, on arrive sur la fin. Deux cartes sous top loader. Deux cartes qui étaient sous top loader, pardon, que je vous montrerai à la fin. Donc la couveuse de Palani, pareil, ça se trouve je l'avais pas. Et tiens, elle me l'a sortie en double. Ah, putain, je me souvenais plus du tout. Hop, elle est où? Ça c'est bien, très bonne carte. Ouais, elle me l'avait sortie en double. Est-ce que c'est... Non, il n'y a pas de foil sur les deux, non. C'est bien, très bonne carte. Du coup, l'avoir sortie en double, c'est bien pour faire des échanges-ventes. Ça c'est cool. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas plus de cartes que ça. Non, deux. Et hop. Deux aussi. Ok. Et pour finir, je vous montre trouver le filon. Je vous montre pas l'autre derrière parce que je vous montrerai à la fin. Et le trône du capitaine, malheureusement, que j'ai déjà. Celle-là, trouver le filon, non par contre. Et de l'autre côté, alors on va faire ouais, celle-là d'abord. Elle m'a sorti une autre Jurassic Park. Ça, c'est cool parce que celle-là, je ne l'avais pas. Donc, ça, c'est bien. Le giganotosaure sinistre. L'illustration est magnifique. Vraiment, vraiment cool. Et la dernière, il s'agit de la brèche du monde souterrain. Carte spéciale guest. Et ça, c'est cool. Très, très cool parce que bah, j'ai eu la chance d'en avoir une. Je vous ai dit 12 boosters. Bah, sur les 12 j'ai eu la spéciale guest, donc c'est cool. Je sais pas si on n'a pas eu une deuxième, une autre bien en plus, donc c'est cool. Franchement, elle m'a sorti des trucs cool, vraiment. Ça c'est bien. Trouver le filon, je suis pas sûr. La petite carte Jurassic Park, c'est cool. Même pas sorti un land, donc tant mieux. Le trône, malheureusement, je l'ai. Double fer marée de Tishana, ça c'est très bien. De l'autre côté, celle-là je l'avais pas, celle-là je l'avais pas. Maintenant, je crois que celle-là, je l'avais par contre. Ça, celle-là, je l'ai, un cheminée. Télé misérable, carte commandeur. Je ne dois pas l'avoir. Hein. Suivi de la fonderie, celle-là, je l'ai. La citadelle engloutie, je l'ai. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas. Et ça, c'est très bien en alternative. Le petit belligérant. Alors, c'est pas celui-là qu'il y a un véhicule qui est excellent, qui est en train d'exploser le format. Donc, malheureusement, c'est pas celle-là, c'est le bleu. Ouais, le bateau bleu, ça c'est bien, je l'ai en double, donc ça pareil, elle va partir à l'échange, c'est très bien, très belle double. Et puis le petit cadavre déségaré avec œil de Jortak, je crois que c'est pas mal, ce petit artefact de commandeur. Donc c'est cool. Comme je vous dis, elle m'a sorti des belles cartes. Je suis ravi. La petite lune de sang hein, aussi. Hein. C'est très bonne carte. Donc ouais, franchement, elle m'a sorti des belles choses. Donc un grand merci à toi Zoé. C'était un grand plaisir de passer sur ce live. Et puis bah écoute, on fera ça, je repasserai de temps en temps. Hein. Alors là non, parce que un peu trop de dépenses dernièrement. Mais prochainement, hein, sur tes prochains lives, ça sera avec grand plaisir. Voilà pour ce deuxième colis avec beaucoup de Ixalan. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas le gars. Si tu ne l'es pas, pardon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et puis, sur ce, portez-vous bien. Allez.